Bonjour à toutes et à tous, Mamino et Maminette. On se retrouve sur du Zelda à Link to the Past pour continuer notre aventure. La dernière fois, j'ai été dans les marais de Zora, ou de Zera, je sais plus, pour justement trouver quelque chose. Je n'avais rien trouvé, mais en fait, il fallait que j'aille au bout de la route ici présente pour que le roi des Zora. Zera, je sais pas, me donne quelque chose. Merci la Solus. Donc continuons l'aventure. Qu'est-ce que tu veux, petit? Tu as quelque chose à me dire? Mais je te donne pas les palmes gratis. Je les vends 500 rubis. La paire, que décides-tu? Je paye. La paire de palmes vient. Et en prime, je te laisserai utiliser les canaux magiques qui relient les lacs et les rivières. Quand tu verras un tourbillon, plonge-y. Qui sait où tu vas apparaître. Tu as acheté les palmes de Zora. Voilà, c'est Zora. Elles vont te permettre de nager même en eau profonde. Ok, très utile tout ça. Très utile. Est-ce que ça peut vouloir dire que je peux aller voir le cœur au-dessus là? Je sais pas trop. Non, on dirait qu'on peut pas. Ou alors on peut, mais faut trouver un autre endroit. Non, on dirait qu'on peut pas. C'est bizarre. Hein. Bon bah bref, on a reçu ce qu'on a eu. Quoique, pour le quart de cœur, je vais quand même aller voir la soluce pour me dire comment faire. Profitez de cette aubaine pour quitter la zone en sautant dans la cascade au sud. Avancez vers l'ouest. Vous tomberez sur un fragment de cœur. Ouais. Bah, je vais re-y aller, juste pour voir. Je sais pas si ça fait quelque chose en particulier. Ah si. D'accord. Et un quart de cœur. Très bien, on va pouvoir quitter la zone de Zera. Enfin de Zora. Ah oui, ils font deux cœurs de dégâts ceux-là. Moi, c'est qu'ils font mal. On va se calmer les ennemis. Hein. Je me demande une chose. Ouais, non, j'ai plus de... Mais normalement j'approche de la... Enfin de la maison de la sorcière.
Oh, le cœur qui fait plaisir. Ouais, bon, d'accord. Ok. Dites-moi, madame. Champignon, délicieux élixir de magique aux champignons. Ouais, donc voilà, je peux acheter. Je vais acheter ça, vous voyez. Ah, merci, vous laissez l'élixir de vie. Ça tente pour trouver de l'énergie vitale. On va attendre avant de l'utiliser quand même. Il pourrait me servir contre un boss. Ouais, un cœur en plus. Je sais pas ce qu'il y a par ici. On va aller voir. Ah, où est-ce que ça nous mène tout ça? Ok, je sais pas du tout où ça nous mène. Ah si, je vois maintenant où ça nous mène. Ça nous mène au château. Et au château, on n'est pas très sécure. Comme vous pourrez le constater. Ah d'accord. Désolé, j'ai pas envie d'acheter quoi que ce soit. Oh, bah dites-moi, regardez. Attends. Je veux y aller. Comment on y va à cet endroit? Malheureusement, je suis obligé. Comment on l'utilise? Voilà. Faut pas être dans l'eau. Ah mais comment on peut y aller à cet endroit-là? On dirait qu'on ne peut pas y aller. On peut aller en dessous. Ah, bien ça, en dessous du pont. On va faire une petite exploration. Oh jus, tu as l'air mal barré. C'est tout ce que je peux te donner. C'est le flacon magique, tu peux y conserver un objet pour l'utiliser plus tard. C'est pas mal. Vraiment pas mal. Par contre, je suis un peu perdu sur la map. Faudrait pas non plus que... j'aille n'importe d'où. Ah mais non, mais j'ai déjà été par là. Ok. Et par ici, y'a quoi? Oh, je pense qu'on a trouvé le prochain donjon. Étant du bonheur, j'ai dit quelque chose. Bah, quelques rubis étaient sous ce réalisme. Oui, quelques-uns. Bon, allez, 20 rubis. Ton bonheur a augmenté de 20 rubis. Au total, ton bonheur s'élève à 20. Tu es plus heureux d'un degré. À propos, aujourd'hui, tu auras une bonne chance. Ha ha ha, lol. Ok, je sais pas trop à quoi ça sert, mais on va peut-être éviter de gaspiller tous nos fruits maintenant. J'ai voulu être généreux, le jeu m'a mis une sorte de gros doigt, alors
Il vise bien cet enflure. Qu'est-ce qu'il vise bien? Alors, on récupère des cœurs, des rubis. Ah, ici on a la maison du héros. Ah, oh ouais, quand même, ils font mal les morceaux de pierre. Ouais, on est chez nous. Mais par contre, maintenant, je sais pas trop où aller. Donc, permettez-moi 2 secondes. Avancez un peu ensuite vers l'ouest jusqu'à quelqu'un des vœux. Passez dessous et lancez votre boomerang ainsi que votre bouclier. Quoi? Ah, il fallait rester dans la zone de Zora. Ah, t'es pas sérieux. Je pensais pas qu'il fallait rester dans la zone de Zora. Encore une fois, vous voyez que j'ai bien eu raison de regarder la solution du jeu. Bah attendez, mais je suis bloqué là. D'accord. Ici il y a un passage. Ok, d'accord. On a atterri dans une sorte de palais des glaces. Ah, des fées. Des fées, cool, cool. Par contre, il n'y a pas un bloc qui se pousse. Ah, c'est dommage ça. En tout cas, on a récupéré toute notre vie, donc sympa les fées. Si tu bats les ennemis immobiles, tu gagneras des rubis. Bon bah je pense qu'ici on a fait le tour, hein. Pas grand chose. Il va falloir aller ailleurs dans la map, mais où? Ah ouais, d'accord, on est carrément paumé par ici. C'est pas du tout par là qu'il faut qu'on aille. Bah ouais, mais je suis bloqué. Je suis bel et bien bloqué, non? Ok, on va traverser tout ça. Très bien.
il donne pas de cœur, on dirait. Déjà, ça a l'air plus intéressant. Et niveau cœur, je suis redescendu au plus bas. Attendez que je regarde. Ouais, c'est bon, par ici, ça va. Ça passe. Ah, donc c'est la cascade là-bas. Non ? C'est pas cette cascade. D'accord. Mais il parlait d'une cascade, laquelle ? Je vois pas trop. Peut-être là, non? Attendez. Bah attends, c'est par là? Je regarde bien. Que je regarde bien. Bah ouais, c'est par là les mecs. Mais comment on fait pour y entrer? D'accord, il faut le deviner ça aussi. Enfin ouais. Enfin faut le deviner ouais. J'y arrive pas. Mais c'est bien ici pourtant. Ah non non non, c'est pas ici les mecs, non. J'ai bien regardé la map, non c'est pas ici. Que je revois où est-ce que je peux trouver cette cascade avant de continuer. Bravo, on fait tout le tour. Bah c'est que je vais devoir débourser encore pas mal pour mon fric. Ils ont rien à offrir. Ah voilà, c'est ici, je pense. Exact. Mystérieux étant, ne veux-tu rien y lancer? Choisis un objet à l'aide de la manette et lance-le. Attendez. Hé, toi, as-tu jeté cet objet? Je te le rends alors, ne le jette plus.
Ok, attendez. Passez dessous et lancez votre bonbon ainsi que votre bouclier sur le plan. Bah ouais, mais comment on peut le savoir ça, J'aime les gens honnêtes. Je vais te donner quelque chose de mieux en échange. J'ai un boomerang magique. Tu peux le lancer plus vite et plus loin que le vieux. Et le bouclier, je l'ai pas. Ah ouais, attendez. J'aime les gens honnêtes, je vais te donner quelque chose de mieux en échange. Ton bouclier s'est amélioré, tu peux désormais te protéger des boules de feu. Ok. Soyez honnête avec la fée, elle vous offrira des versions améliorées de vos deux objets. Après ça, retournez chez la sorcière et rentrez dans sa boutique. Son apprenti vous donnera de la poudre magique préparée. Et ça, j'ai déjà fait. Quittez la boutique et prenez vers l'ouest. Ok, ça c'est fait. Il y a juste comme ça qu'on doit les tuer. Pas d'une manière autrement. Je pense que ça ira un peu plus vite comme ça. À l'ouest. Mais pour faire quoi? Ah non, c'est pas par là. Abritant une grande fée. Oh, je pense que je l'ai échappé de peu celle-là. Ok. On dit d'aller vers l'ouest. Franchement, très utile le boomerang. Et on dirait que je peux même pas me faire toucher par les ennemis. Ok. D'accord. Ça contient pas mal de rubis ces trucs là en général. J'ai une idée, si nous allons revoir l'ancien. Oh,
On va faire ça, on va aller revoir l'ancien. Enfin, si on a, ici y a pas d'encombre entre les passages. Alors, comment on va y entrer? Normalement, il y a une sortie quelque part. Enfin, il y a une entrée quelque part. Hop, tu ne bouges pas. Je pense pas que c'est par là qui... Enfin, je sais pas. Je pense qu'on passe du mauvais côté là. Hop, mais les mecs ils me passent jamais de vie quasiment, c'est abusé. Un objet très utile est caché dans la grotte à l'est du lac. Il y a. Va le chercher. Oh, il est sympa le vieux, hein, tous les cœurs qu'il y a. Il s'est pas passé grand chose, mais là pour le moment, bon bah, on est encore en train d'explorer. Mais il va falloir finir l'épisode quand même là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Mes minettes. Concernant les solutions avec laquelle je m'aide dans ce jeu, on m'a dit que c'était pas trop. Enfin, fair play, que bon, aussi pour le boss, j'aurais pas dû me spoil. C'est vrai. Là, j'avoue que pour le boss, j'aurais dû m'abstenir pour garder la surprise. Par contre, je ne m'abstiens pas d'utiliser la souris parce qu'il faut que le jeu avance. Je vais pas m'éterniser 500 ans. Je sais qu'un jeu Zelda, c'est censé être long. Mais j'ai plusieurs jeux à faire. Il faut penser un peu au fait que je dois avancer dans ce que je fais. Donc être paumé et ne pas savoir quoi faire, c'est pas la meilleure des choses dans l'esprit. Sinon, moi personnellement, je peux être vite perdu. J'essaye de m'aider. Sinon, comme toujours, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié la vidéo ou non. Je tâcherai de vous répondre. Et si c'est non, bon bah soyez concret dans vos. Dans votre nom. Enfin, que ça soit pas. Que ça soit pas seulement je n'aime pas. Et à m'encourager, à me soutenir et à participer en me poussant de vos pouces et à partager la vidéo autour de vous, c'est très important également. Et bien sûr, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Ciao mes minous. PS, je m'excuse si j'ai pas trop parlé dans la vidéo.